aujourd'hui, c'est journée fleurs. Je me suis dit que c'était pas mal. Ah, les roses sont en train d'arriver. Les tulipes sont en train de partir. Bon, sinon on va rester dans l'automobile. C'est quoi ça? Ça, c'est... Alors, j'ai un petit problème. Enfin, j'ai pas un problème. J'ai depuis fort longtemps, ici, là, c'est du scotch. Voilà. Et j'aimerais bien remplacer ceci. Voilà. Pouvoir en remettre un en bon état comme c'est le cas. Du coup, j'ai retiré les câbles qui m'ont été vendus avec. Et puis du coup, il va falloir démonter toute la contre-porte. Donc j'ai commencé par ici, ce qui est déjà une première chose, ce qui me permet de zioter en plus l'état. J'ai enlevé ce joint là. Puis je vais en profiter pour essayer de faire quelques petites bidouilles sur le sujet. Je vais regarder comment ça fonctionne et puis je vais aller réparer parce qu'en fait au final on s'aperçoit qu'il y a des petits... Et là, il a été remonté à la sauvage. Donc bon, je vais lui redonner un petit coup de moins sauvage. Et puis d'aller fixer les petits plots, je vais voir si j'en ai pas d'autres. Bon, bah du coup après on va démonter la porte. Voilà, l'idée c'est de démonter, de sortir tous les câbles par ici, les remettre dedans, remonter et puis repartir sur un truc qui est bien. Bon, il y a un peu de boulot. Hein. Allez, salut les hommes. Alors on démonte ça. Non, c'est pas vrai. Bon, elle est là. Non mais elle est là à l'eau quoi. Putain. Ma carte bleue. Je vous cache le numéro. Putain, j'ai fait opposition et tout bordel. J'y crois pas. Bon ben voilà. Comme quoi. Comme quoi. Bon, j'enlève là aussi. Parce que j'aimerais bien le remettre parce que la fixation me paraît pas. Top, top, top. Non, j'y crois pas. Bon, bah, j'ai retrouvé. Allez, je vais réparer différents petits trucs et puis on revient. Bon, là, je suis en train de réfléchir. Le problème, c'est qu'il y a un nombre de câbles ici, là, qui est mirobolant. Si je vois rien, non, je vois rien. Bon, j'ai trouvé le truc qui fait du bruit là, qui claque à chaque fois que j'ouvre, c'est le truc d'arrêt là. Il y a un peu de jeu sur la goupille. Le problème c'est que rien pour y accéder, c'est l'enfer. Bon, de toute façon, c'est un peu foutu parce que en fait, je vous explique, j'essaye. Mais si je veux sortir ça, ça passe pas là, ici là. Ça passera pas. Donc je suppose qu'ils passent les fils un par un et puis qu'ils sertissent après. Sauf que... Là je m'engage dans un truc, soit je coupe les fils, soit... Faut dessertir. Je sais pas comment on fait. Je pense qu'il y a un outil, je sais plus si j'avais ça comme outil là, pour arriver à... À extraire ses papates. Bon, je vais voir si j'arrive à extraire les papates et puis après, c'est tout. Bon, il est 8h du mat. Le lendemain, après réflexion, toujours problème de sécheresse en Ile-de-France. Bref, sans vouloir être lourd, ça fait une semaine qu'il flotte, mais bon, bref. C'est la vie. En fait, ça c'est mon faisceau de secours. Moi, je vais changer ça. Attendez, parce qu'il y a peut-être mon chat qui est dehors. Viens là. Dépêche-toi là. Ah ouais, ça mouille. L'eau, ça mouille. Donc, ah, tais-toi. Tais-toi. Donc là, ce que je disais, c'est qu'en fait, ça,
je pourrais retirer le faisceau comme ça par ici, sauf qu'il va y avoir tous les raccords. Et donc en fait, après une recherche un petit peu oui, un petit peu plus en avant, en fait, quand on ouvre ça, oh, voilà, ici, là, on peut assez simplement. Alors bon, ça paraît très con, mais en tirant là, en poussant ici, on a donc, qu'est-ce que je disais, ici, ça peut être simple avec un pigeon qui roucoule à côté, là, quoi, donc là, on déclipse et on peut enlever, bim. Bon, le tout, ça va être... Alors, je vais regarder avec celui que j'ai ici, je m'entraîne un peu. Le tout qu'il va bien falloir cerner. Je me casse les pieds. Je bricole là. C'est une chaîne auto. C'est pas une chaîne miaou. Oh, non, mais sans déconner, c'est lourdingue. Me bouffe pas les câbles de la Fuego. Bref, tout ça pour finir que là je l'ai enlevé. Donc je vais repérer si les couleurs sont les mêmes, le repérage va être facile. Donc j'espère que le faisceau est strictement identique. Parfait. Bon, ben en fait, il n'y aura plus qu'à aller à la voiture, aller vérifier que c'est le même truc. On poursuit notre histoire. Là-dedans, je pense que je vais pouvoir couper le fil. Ensuite là, ça c'est le câble qui repart, donc il part en long des câbles. Ça c'est haut-parleur, plus moteur de la vitre électrique. Donc on a du jaune, là, bleu et rouge, du orange et bleu. Orange et bleu avec le câble, ok, celui-là il part, et là je pense, si je regarde là, il va là. Ici, je vais vous mettre un peu de lumière. Oui, c'est mieux. Donc là, on a ce point-là ici. C'est du rouge. Voilà. Celui-là. Celui-là dans ce sens-là. Ok, celui-là, on s'en fout. Donc là, on est en théorie. Alors attendez, excusez-moi, j'enlève les vitres électriques. Un blanc, un noir. Le blanc a. Ok, jaune, jaune, blanc, blanc, bleu, rouge ensemble, rouge. Ok, et celui-là, un. Idem. Jaune. Voilà, l'ordre, c'est jaune. Deux jaunes, un rouge, un blanc, un orange, un bleu. On est bon. Et ensuite, ça continue avec le raccord qui est ici, qui va... Bon, je vous passe le décablage, au moins sur cette partie. À suivre. Bon, c'est assez drôle ou pas, hein? Plutôt pas d'ailleurs que drôle. Alors, on va mettre les trucs dedans. En bas, le fil qui vient s'accrocher sur ça, là. Ici, j'en ai même, pour vous donner un ordre d'idée, ça fait 20 minutes que je suis dessus, branché sur un secours pour voir ce que ça donne. Donc là, bon, en gros, quand on tire sur le fil, il s'enlève très mal pour arriver à le tirer là. Quel cas, il s'enlève en forçant de façon raisonnable. Je pense que les deux, soit sont soudés ensemble, soit il y a de la rouillasse. Grosso modo, ça fait 20 minutes que je suis là-dessus, il n'y a pas moyen. Bon, allez, je continue à pleurer, seul. Alléluia. 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 Alors, bon, ensuite. Putain, pardon. Saleté de gros mots. Alors, on va faire un truc. On va essayer de voir si ça, ça rentre. Parce que si ça rentre dans un sens, ça rentre dans l'autre. Et hop. Ouais. Ouais,
Si on veut que les choses soient propres, je pense qu'on a intérêt à filmer, enlever ça. Parce que mine de rien, sinon ça va être une galère sans nom aussi. Ah, bon, bah, faudra couper, je me suis battu. Bon, je vous explique là. Là, c'est n'importe quoi. Donc, ici, hop, c'est enlevé. On va virer ce truc-là. Ça, on va virer ça au cutter. Sans couper les fils. Et là, on est bon. Voilà, c'est parti. On va faire glisser le truc jusqu'au bout pour voir si ça pose pas de problème. Ensuite, à fonctionner en sens inverse. Une fois qu'on aura remis le truc, je vais accrocher les câbles pour les monter et les rentrer un par un. Bon, j'ai mis à pointer dans WD-40 un peu là, les embouts qui étaient. J'ai aussi enlevé le truc. J'ai commencé à passer là. Puis on va continuer. Puis au moment où ça va bloquer, oui, parce que ça, le plus dur, c'est que ça, je vais l'attacher avec un. Ça va être le plus compliqué. Et là, on va essayer de les passer un par un. Je sais pas si je vais arriver à les passer un par un ou tous d'un coup. Bref, bon, j'en suis déjà là et puis on va poursuivre. Hein. De toute façon, il n'y a pas le choix, faut aller jusqu'en haut. Bon, continue. Alors maintenant, on met le fil là, in the trou ici, là. On tire là, il arrive là, là, ici. Ouais. Encore une fois, hop, avec deux mains, c'est moins pratique. Avec une seule main, c'est moins pratique. Alors, ça, c'est la porte. La porte. Normalement, au bout de ça, on doit avoir le petit truc en plastique qui protège là-bas au bout. Et là. Là. Et là. Ouais. Bon, là maintenant il y a le gros lot d'emmerde, il va falloir le passer dans je ne sais pas trop quel sens en premier. Mais bon, pas trop le choix. On va y aller. Hein. Bref, on passe tout ça. Une fois qu'on aura passé tout ça, il faudra brancher les petits clips. Là, là, là. Après, c'est tout. Allez, suite. C'est passé. Alors, on a la rétroélectrique, tout le bordel. Et là. Pas encore réussi à le positionner bien, mais en tout cas le truc prend forme. Bon, je vais refixer les différentes petits appareils. Allez, on continue. Alors, hop, celui du bout, il est là. On réinstalle. Ensuite, il y a celui-là, c'est réinstallé. Donc là, je suis ici, c'est bon. Ensuite, je défais là, celui-ci, je sais pas trop lequel c'est, j'enlève le scotch. Hop, alors j'ai enlevé le scotch sur cela, ça va faire du nœud. Je vais essayer de défaire les nœuds, je sais pas si je vais y arriver. Pour le reste, ça paraît à peu près raisonnable. Donc du coup, là, je reprends celui-là. Ah, celui-là. Donc non, celui-là, bleu, orange, double jaune. Ok, donc le 1, c'est le bleu. Voilà, le 1, c'est le bleu. On peut se mettre comme ça et on essaye à peu près de... Et on regarde le 1 bleu orange. Hop. Bleu.
ici. Bleu. Hop, orange. Alors, je vais rebrancher la porte. C'est bon. Et porte, fenêtre. Fenêtre de l'autre côté. Ok, ici, je vais me mettre les... Ok, bon, ça a marché, finalise. Bon, puis je vous repasse sur montage. Mais du coup, le boudin... Et là, c'est quand même mieux que le truc dégueulasse. Là. Là. Regardez. Hop, un. Ça va faire clac. Bim. Ça bouge un chouïa là-dedans. Bon, bref. Allez, à plus. Bonne fin de vidéo. Tout fonctionne. Je suis le roi du monde. Ciao. Hey, c'était le dernier truc de la Fuego qui fonctionnait pas. Où je me disais, je vais jamais y arriver. On arrive à tout. In life. Après tout.